L'Alsace reste en bleu. La victoire la plus symbolique est sans aucun doute celle de Ségolène Royal en Poitou-Charentes, dans le fief de Jean-Pierre Raffarin. Et dès aujourd'hui, la nouvelle présidente de région est passée à l'action. Elle prend déjà ses marques au conseil régional. C'est la seule femme qui dirigera une région. Serge Simineau, Jean-Bernard Ayer sur place. Elle est venue seule pour rencontrer celle qu'elle a battue. Au conseil régional, sans être une passation de pouvoir, Elisabeth Morin et Ségolène Royal ont pendant 20 minutes préparé l'élection de l'exécutif prévue vendredi prochain et parlé des dossiers les plus urgents. C'était aussi une histoire de femmes. Je n'oublie pas aussi que c'est la seule passation de pouvoir entre deux femmes. Et donc je tiens à ce que ça se passe bien, fraternellement, même si ce mot est une racine masculine. Et donc ça s'est passé normalement, mais comme ça doit d'ailleurs se passer, c'est le contraire qui serait quand même étonnant. Les régions de France ont basculé goulûment à gauche, et ce matin, aux confins du centre du Limousin et du Poitou-Charentes, Ségolène Royal en tête, ce sont trois présidents de régions socialistes qui faisaient visite commune, symbole d'un accord interrégional conclu avant leurs victoires respectives. Un bol d'air après une soirée de liesse. 20h hier soir, la marée rose, rouge et verte inonde le pays. Au QG de Ségolène Royal, c'est de la folie pure à chaque région qui reste ou bascule à gauche. Le Poitou-Charentes change de couleur, le rose émis, la future présidente entre en scène. La France des régions, c'est maintenant. Nous pouvons, en région, réparer des désordres nationaux et combler le déficit d'humanité dont la France souffre depuis 2 ans. Les supporters de la présidente sortante sont accablés par l'écrasante victoire de Ségolène Royal. Le présent est trop lourd, Elisabeth Morin pense alors à l'avenir. L'espoir déçu ce soir est intact pour demain. Je le porterai avec vous et la victoire sera au rendez-vous. Demain, c'est plus tard, mais aujourd'hui, le Poitou-Charentes a choisi son camp. La députée socialiste des Deux-Sèvres a gagné son pari électoral, prendre la région fief du Premier ministre, un symbole, cerise sur le gâteau d'une gauche requinquée pour l'occasion.